J'en reviens pas! Et moi non plus! On est vraiment rendu hot! Avec tellement hâte, là, qu'on va faire fondre nos chums comme la neige. Ah, mais moi, je fais déjà fondre Antoine, mais toi, si ça peut te servir avec Renaud. Non, je suis trop de bonne humeur pour que tu me gâches mon fun avec tes petits commentaires. Allô? Ah, allô! Oh, mon Dieu, t'ennuyez-moi tant que ça? Non? Ah, OK. Ah, vous avez vendu 100 000 copies de votre magazine ce mois-ci. Ben, wow, là, on n'en vend pas tant que ça. Mais c'est pas qu'on pourrait pas, hein, c'est juste qu'on veut pas dépeupler les forêts. OK, mais je sais, vous partez 2 mois en Thaïlande cet été, puis vous m'amenez avec vous. Mais non, bien mieux que ça, là. OK, ben j'abandonne. C'est quoi la bonne nouvelle? Imagine-toi donc que tu parles à la nouvelle porte-parole. Là, là, là. Oh, nouvelle porte-parole. Ouais. Du comité étudiant pour la paix. Wow! Hey, c'est super, ça! Mais je savais pas que ça existait, ce comité. Non, mais il vient juste de se former ici, hein? Parce qu'on est la 3e école de la ville à en avoir un. En tout cas, pour un comité pour la paix, vous faites pas mal de bruit. Ben, c'est ça qu'il faut, hein, faire du bruit si on veut se faire entendre. C'est notre rôle. OK, ben c'est logique, c'est vrai. Mais c'est drôle, hein? Je voyais pas dans un comité comme ça. Ah, mais je veux dire, quand tu vis dans une famille de fous comme la mienne, la paix, c'est important. Ouais. Puis moi, ben, c'est pour tous les enfants du monde qui sont touchés par la guerre. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai juste à penser à Colin, puis ça me motive. Mmh. Ah, j'aimerais ça qu'il grandisse dans un monde sans guerre. Ouais. Wow, je suis impressionnée, là. Est-ce que tu vas être chez toi en début de soirée? Tu veux me faire une surprise? Il y a Vivian Rins qui donne un spectacle ce soir. Ah oui, c'est une de nos chanteuses préférées. Hein? Marianne m'en parle depuis des semaines. OK, ben si je suis là vers 18h, est-ce que ça donne assez de temps pour te préparer? c'est parfait. Oh, c'est quoi cette grosse bibitte-là qui bouge? Allez, tu peux l'attraper, Colin. Allez! Je peux te déranger une minute? En tant que porte-parole, là, il faudrait bien qu'on porte pas juste la parole. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça serait le fun qu'on porte un symbole de paix sur nous. Ah, oh, et oui, je te verrai avec une colombe sur l'épaule, hein. Mais comment tu ferais pour pas qu'elle s'envole pendant un cours? Puis quand on pense aux dégâts qu'un oiseau peut faire sur une statue, là, il faudrait tout le temps que je porte un imperméable. J'espère que t'écoutes pas tout ce qu'on dit. Non, mais sérieusement, là, j'ai pensé qu'on pourrait porter une épinglette en forme de colombe ou de branche d'olivier. Ah, ou un symbole peace. Ouais. Oui, ça, c'est une bonne idée, hein. Comme ça, tout le monde va savoir qu'on fait partie du comité. Oh, imagine qu'on doive donner une conférence de presse. Mais ça pourrait arriver. Ah oui, là, la salle serait remplie de journalistes, là. Puis là, il y aurait les projecteurs des caméras qui nous aveugleraient, les flashs. T'en mets un petit peu trop. Mais pas du tout. Tu sais, si Renaud m'a invité au resto demain pour fêter ça, là, c'est qu'il veut être sûr que je me souvienne de lui quand je vais être rendue une grosse vedette. Ouais, mais je te rappelle qu'on fait pas ça pour la gloire. Ben, ça nous empêche pas de rêver. C'est vrai. Mais moi, je pense que si Renaud t'a invité au resto, là, c'est parce qu'il est fier de toi, tout simplement. Oh, hey, j'espère qu'Antoine traînera pas trop, hein? Sinon, on va être en retard au concert. On est chanceux, hein, d'avoir des chums fins comme ça. Si toi, il t'amène voir un spectacle. Moi, il m'amène au resto. Ah non, je pense à quelque chose. Oh, Colin! Oui, ça serait vraiment trop plate, hein? Je m'en vais au centre. Salut. Attends un peu. T'as pas quelque chose à faire ce soir, toi? Laver les planchers des chambres. C'est pas grave, j'ai plein de temps pour le faire demain. Je m'excuse, mais tu devais le faire la semaine passée. Là, si ça continue, les planchers vont être tellement sales qu'on saura plus quelle couleur ils sont. Oh, s'il te plaît. Hey! Juste une journée de plus, Victoria. Si tout le monde remet ses tâches au lendemain matin, on s'en sortira plus. OK, je vais essayer de les changer. Tu tombes mal. On vient de décider d'un nouveau règlement. Les échanges de tâches, c'est fini. Comment ça? Faire les lunchs ce soir, c'était la tâche de qui? Je l'ai échangé avec Célina. Ben, Célina l'a échangé avec Manolo, Manolo l'a échangé avec Marianne, Marianne l'a échangé je sais pas trop avec qui, elle pensait même l'échanger avec Colin. Puis là, plus personne sait qui devait les faire, ce qui fait que c'est nous qui sommes pris à faire les lunchs. Là, on est pressés, on va être en retard à la réunion de parents. Il fallait que ça tombe sur moi. Vous allez pas tous les deux à la rencontre, hein? Ben là, c'est ça qui était attendu. Oh, mais pauvre petit papa, on se devrait vraiment rester à la maison. T'as tellement l'air fatigué. Ouais, puis je trouve que tu passes pas beaucoup de temps avec ton fils, tu sais. Je suis sûre qu'il dit même pas papa encore. Subtil. Attends un peu, là, t'essaierais pas de te sauver d'une soirée de gardiennage par hasard? Mais non, 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 c'est juste que je vois pas pourquoi vous allez perdre tous les deux votre temps à l'école. En tout cas, moi, je veux que ce soit papa qui rencontre mes profs. Et toi, tu peux vraiment jamais rien me rendre service en t'es rien qu'un traître. J'imagine le sermon après que Victoria ait vu mon prof de maths.
Là, je suis très, très, très déçue. Manolo et toi, vous avez beaucoup de travail à faire. Vous avez le potentiel d'avoir de bien meilleures notes. C'est vos profs qui le disent. Ça veut dire que vous faites pas vos devoirs comme il faut. Vous prenez pas l'école au sérieux. T'es comme Manolo. Bon, vous êtes complètement irresponsable, mais t'as rendu compte de l'impact que ça va avoir sur le reste de ta vie. Mais voyons, où est-ce qu'il est rendu, lui? Simon, c'est pas un traître, c'est un peureux. Voyons, Annabelle, c'est quoi le rapport? Ben, je sais pas, là, mais ça fait toujours capoter les gars de se faire traiter de peureux. Ben, en tout cas, si je suis un peureux, moi, t'es juste une... Bon, tu vois? Simon a tout à fait le droit de vouloir que j'aille à la rencontre de parents, puis à part de ça, moi aussi, je veux y aller. Ah, c'est ça, là, ma soirée fichue. Oh. Ah, ben, à moins que je le garde, moi, Colin. Ah, oh, oui. C'est correct. Ah! Ouais, t'es la meilleure amie du monde. C'est pas juste, elle a le droit d'échanger, elle. Ben là, c'est pas un échange, elle se fait remplacer par Annabelle. Elle fait pas partie de la famille, c'est pas pareil. Bon, ben OK, on range ça, là. Nous autres, on est pressés, faut s'en aller à la réunion. Merci. Bonne soirée. Sûrement meilleur que de rester à la maison pour laver les planchers. Bon, mais là, on s'en allait, mon grand. Là, si tu veux, je regarderai ça demain soir. Mais vous comprenez pas, j'ai une course super importante demain midi à l'école. Ben oui, mais pauvre toi, Claude aura pas le temps de la réparer d'ici là. Essayez de la réparer. Mais vous pouvez aller en acheter une autre, hein? Il est pas trop tard. Mais non, non, non. Mais attends, là, on ira pas au magasin, là. Peut-être à ta fête, mais pas avant, quand même. Oh, mais mes amis vont penser que j'ai fait exprès pour la briser. Ils vont dire que je suis peureux pis que j'ai pas voulu faire la course. C'est vrai que c'est plate de se faire traiter de peureux. Mais là, je pourrais pas régler ton problème ce soir. Moi, si tu veux, je pourrais essayer de la réparer, ta voiture. T'es capable? Ah, je savais pas que tu t'intéressais à l'électronique. Est-ce que ça veut dire que je serais pas obligé d'envoyer ton lecteur CD chez le réparateur? Ben là, wow, là, quand même. Mais si je répare la voiture de Nathan, est-ce que je pourrais changer mon lavage de plancher? Bon, comme c'est un nouveau règlement... OK, mais juste pour ce soir. Yes! Oui, il faut que la voiture soit réparée avant que tu quittes la maison, hein? Ah, pas de problème. Ça va prendre 2 minutes. Soyez sage. Bye. Bye, papa. Ah. Salut, Antoine. Colin dort comme un bébé. Un bébé qui dort comme un bébé. Qu'est-ce que je dis là, moi? Et depuis le temps que je rêve d'assister à un spectacle de Vivian Prince! Oh, chanceuse, là, je suis jalouse. Ben, Renaud t'invite au resto demain, c'est pas si pire, hein? Ouais, mais je suis sûre qu'Antoine va t'inviter à grignoter quelque chose après le spectacle. Oh, wow, ça va être une belle soirée. Annabelle. Wow. Elle était vraiment belle. T'aurais pas dû. Très chère dame Marianne. Le chevalier Antoine vous félicite par la présence des récents titres de noblesse qui vous ont été remis. Ah, il dépose un baiser sur votre main délicate. Oh, j'ai pas fini de lire. Et votre bouche suave. Toi, tu sais parler aux dames? Ah! Ben écoutez, je vous souhaite de passer une super belle soirée au spectacle. Hein? Belle comme t'es ce soir, tu vas en briser des cœurs. Chance que je suis pas jaloux. Je comprends pas. Ah ouais, ben là, il faut que j'aie mes amis m'attendent. Quoi? Non, non, ben de toute façon, on est plus sûr de pouvoir y aller finalement. Hein? C'est plat, ça, t'avais tellement d'air à te tenir à ta soirée. Tu dois être déçu. Pour ça, c'est toute une déception. Ouais, je vais penser à toi. Bye. Tu m'as pas invité. Mais... je comprends pas, là. Ah oh, non. Je suis sûre que c'est pour créer un plus grand suspense, là. Il va revenir. Tu penses? Pis oui, là, il peut pas juste te donner une petite carte, là.
T'as peut-être raison. Oh! C'est sûr qu'il reviendra pas. Mais là, je comprends pas. Tu sais, moi, Renaud, il m'a invité au resto, là, pis ça fait moins longtemps que je sors avec lui que toi avec Antoine. Toi, là, ton monsieur parfait, là, je pense que j'en ai assez entendu parler, merci. Ah, t'es pas encore partie? Non, je passe la soirée ici, finalement. Tant mieux. Non, ça, j'étais supposé le penser, pas le dire. Je veux dire que c'est tant mieux pour ton teint. Mon teint? Oui, ton teint va être beau demain si tu te couches de bonheur. Qu'est-ce que tu veux me demander? Rien. Pourquoi tu pars si vite, Marianne? Tu veux pas t'asseoir un peu? Non, j'ai un bel matin. Hey, pourquoi tu me demandes pas ce que tu veux au lieu de tourner autour du pot? Est-ce que tu veux laver les planchers? Wesh! Est-ce que je peux t'échanger mon lavage de plancher de chambre pour ce soir? OK. Mais si tu fais deux mes prochaines tâches? Parfait. C'est quoi tes deux prochaines tâches? Ben, il y a une soirée de lavage de vêtements et un ménage de salle de bain. Tout est prêt, le seau d'eau est dans le salon. Marché conclu. Pourquoi tu laves pas les planchers? Là, ça va prendre deux fois plus de temps. Laisse faire ça, Nathan. Dis-moi ce qui fonctionne pas avec ta voiture. Elle tourne en rond. Ah, mais c'est un problème avec la télécommande. Je vais te régler ça tout de suite. Tiens! C'était juste une vis qui était desserrée. Ton problème est réglé, puis tu vas gagner ta course demain. Puis les morceaux qui restent? Ah, ben ça, dans deux minutes, ça va être réglé. Ça va là, comme ça. T'entoures ça, puis après tu mets ça. Là, il reste juste à visser, puis après tu rajoutes ce morceau-là. Non. Je suis pas capable de me concentrer si t'analyses tout ce que je fais, Nathan. Va donc voir ailleurs si je suis là. C'est ma voiture, puis je disais ça juste pour t'aider. Pourtant, c'était pas si compliqué à démonter. Le petit amour s'est réveillé. Hey, j'ai une idée super brillante pour le comité. Bon, j'ai pensé qu'on pourrait préparer des macarons. Comme ça, on pourrait dessiner le symbole qu'on veut dessus. Hey, je suis sûre que le comité va embarquer. Ah, je comprends pas! Ah, ben, c'est pas compliqué. Tu dessines le symbole, ça peut être une colombe, comme on a dit tantôt, ou une branche d'olivier, ou... Si au moins il m'avait offert des fleurs au lieu d'une carte! Ouais, OK, tu parles, Antoine. C'est vrai que c'est bizarre. Je suis contente que Renaud soit pas comme ça. Mais il m'a pas offert de petites cartes toutes romantiques, par exemple. En tout cas, je viens de comprendre qu'Antoine, il m'aime pas vraiment. Exagère pas, là. Ouais, s'il m'aimait vraiment, là, il aurait compris que je voulais qu'il m'invite au spectacle. Bonjour! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venue vous dire bonjour. Oh, il est tellement cute! J'espère que tu vas être fin comme ton frère. Marianne! Est-ce que tu as demandé à Antoine de t'amener au spectacle? T'as tout entendu? Hey, t'écoutes aux portes. Mais je passais dans le corridor. Ouais, mais tu connais rien aux affaires d'ado, ça fait que fait de l'air. Mais qu'est-ce que vous avez tous contre moi aujourd'hui? Bon, Nathan, tu sais, t'es méchante avec lui. Ouais, mais... Il avait juste à pas envahir ma chambre. Ouais, mais tu sais, il a un peu raison, hein? T'as pas été super claire avec Antoine. Ben, Renaud, il a bien deviné ce que tu voulais. Ben, je lui ai demandé qu'on fasse quelque chose de spécial. Ah, tu l'as aidé? Oui, mais c'est lui qui a eu l'idée du resto, par exemple. Ah, il est pas si parfait que ça, finalement, ton Renaud. Ben quoi? Tu sais, c'est normal de dire ce qu'on attend de l'autre pour pas être déçu. Ouais, mais si j'avais fait pareil, là, moi, je suis en train d'assister à un spectacle écœurant au lieu de m'écœurer à laver les planchers. Finalement, je suis pas si pire que ça en affaire d'ado. Hey, je te gage que tu passais encore dans le corridor. Hey, c'est en plein ça. La prochaine fois, t'as juste à fermer ta porte. Ouais, ben dehors. Ouh, t'es un petit pitou qui bue, toi.
Est-ce que ça te dérange d'aller faire chauffer son biberon pendant que je change? Non, pas de problème. Je comprends rien à l'électronique. Moi non plus. Tu peux pas m'aider? Ouais, abuse pas, hein. Déjà que je lave tes planchers. Hey, wow! À l'échange de deux tâches, quand même. Antoine! Salut! Je trouvais que t'avais l'air déprimé tantôt, fait que j'ai écouté mes amis pour venir te voir. Oh, c'est donc bien gentil. Toi, Antoine, est-ce que t'es bon pour réparer des choses? Ben écoute, je pourrais y jeter un coup d'œil, hein. Je m'y connais pas mal en électronique. Non, wow, pas question. Il est venu pour me voir, pas pour réparer ta voiture. Ça va te donner le temps de finir de laver les planchers. T'améliores pas ton cas, hein? C'est flatteur, vous battez pour moi. S'il te plaît, Marianne, je vais même faire une autre de tes tâches. OK, tu feras les lunchs de lundi prochain à ma place. Parfait. Marianne, c'est pas Claude et Victoria acceptent les échanges. Elle va être obligée de faire les lunchs quand même. Bon, maintenant, je sais ce que je vaux. Ça devrait pas être très long. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé il y a 2 heures. À tantôt. Oh, j'ai oublié les... Ah. Ouh, c'est un vrai cadavre, hein? Ouais, mais t'es un pro, non? Un cadavre, c'est rassurant. Où est le stimulateur cardiaque? Allez, allez. Go! 1 minute 2 minutes 3 minutes 4 minutes 5. 1 minute 2 minutes 3 minutes 4 minutes 10. Ouais, je pense que je viens de trouver ton problème. Ah ouais, déjà? Cool. Ouais, regarde. Le circuit, là, il est complètement fondu. Ça, c'est une pièce sur mesure, pas facile à trouver. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça se répare? Chef-tu? Ouais, j'ai fini, là. Regarde, c'est mieux que t'achètes une voiture neuve. Travailler tout ce temps-là pour rien. Puis pauvre Nathan, il va être déçu. Ouais. Ben, c'est plate que je puisse pas plus t'aider, hein. Ben, au moins maintenant, je vais pouvoir aller au centre. À cette heure-ci? Oh non, j'ai perdu toute ma soirée! Ah, mais t'aurais dû y penser avant d'accepter les lunchs. Je vais aller me coucher, moi, je pense. Puis je vais lui chanter une très, très longue berceuse. Ta soirée s'est bien passée? Tu te sens mieux? Super cool. Annabelle m'a aidé à m'occuper de Colin, puis on a parlé de ce qu'on allait faire en tant que porte-parole. On n'a pas vu le temps passer. Ah, mais t'as l'air d'avoir eu pas mal de fun. Mais finalement, peut-être que j'aurais pas dû venir. Non, je suis super contente que tu sois là. Ah. Hey, comment ça se fait que vous êtes pas allé au spectacle? Ça avait tellement l'air de te tenter. Mais je pensais que tu m'inviterais pour fêter ma nomination. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que t'avais pas vraiment l'air satisfait de la carte. Non, j'étais contente de la carte. C'est juste que j'aurais peut-être dû être plus claire pour le spectacle. OK. Finalement, c'est de famille, hein? Parce que la semaine dernière, Simon était persuadé que je l'amenais au hockey, puis cette semaine, c'est à ton tour. Oui, mais finalement, Simon est allé au hockey, lui. Oui, parce qu'il t'a remplacé. Et c'est vrai. Bon, regarde, on se rattrape demain, là. Alors, je t'invite... Attends, laisse-moi deviner. Aller voir un film. Non? OK. Aller manger une crème glacée au chocolat. Non, il fait encore trop froid. Je t'amène au resto. Oui, merci, comment t'as fait pour deviner? Je pense que j'ai oublié un couplet de la berceuse. Non, attends. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir de la compagnie pour fêter demain au resto? Ah, tous les quatre? Oui! Mais avant, il faut que je demande à Renaud. Ah, mais c'est sûr qu'il va vouloir, là, il est tellement parfait. Ouais, c'est vrai, ça.
Ta voiture est morte, Nathan. C'est Antoine qui l'a dit. Mais toi, tu m'as dit que ça se réparait en 2 minutes. Je me suis trompé. Antoine se connaît vraiment bien en électronique puis a trouvé le problème tout de suite. Mais t'aurais dû dire que t'étais pas capable. Je faisais ça pour te rendre service, moi. Mais qu'est-ce que je vais faire demain, là? Tout le monde va rire de moi. Tes amis vont comprendre, ça arrive. Mes amis me croiront jamais. J'ai fait mon possible, OK? Ben, c'était pas assez. Regarde, t'as poussé ta voiture si tu veux qu'elle avance. Il reste même pas assez de morceaux pour ça. Nathan, excuse-moi. Je le sais que c'est plate pour toi. Nathan! Est-ce que tu t'es bien amusé au centre des loisirs? Parle-moi-en pas. Oh, c'était si le fun que ça. La voiture de Nathan est pas réparable. J'ai passé une demi-heure à le consoler. Ah, mais je le comprends, hein, parce que moi aussi, ça m'arrive des fois de pas être capable de réparer des choses qui se brisent. Ah, ça, on avait remarqué. Ben, des fois, il faut les remplacer, puis d'autres fois, il faut amasser de l'argent pour pouvoir les remplacer. Ben, tu devrais aller expliquer ça à Nathan avant qu'il se couche. Les échanges de tâches, c'est à partir de ce soir que ça fonctionne plus? Ben, quand tout le monde sera averti. Quoi? Ce soir, ça compte? Ben là, c'est pas ça que tu voulais, non? Et vous changez les règlements, puis ça me désavantage toujours, c'est pas juste. Et là, je vais être obligé de passer toute la semaine à travailler dans la maison pour rembourser Marianne, puis je suis même pas allé au centre. Ah, parce que tu pensais pouvoir t'en tirer. Ben, je pourrais changer une de mes tâches de la semaine avec quelqu'un pour plus tard. Toi, après la leçon que tu viens d'avoir, t'as encore envie de faire des échanges. Ouais, c'est vrai, là. Je devrais me débarrasser de mes dettes au plus vite. Aussi bien finir tout de suite. Qu'est-ce que mes profs t'ont dit? Tu t'attendais vraiment à avoir des mauvais commentaires? Arrête de me faire languir, là. Commence par mon prof de maths. Prof de maths, je me souviens pas, là. Le barbu frisé. Hey, il m'a rien dit de spécial. Non, 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 dans l'ensemble, tout était très bien. C'est vrai? Alors, c'est pas que je m'inquiétais, mais on sait jamais. Par contre, en géographie, t'es vraiment en train de perdre la carte. Je l'avais oublié, celle-là. Ouais, si ta note est si faible, c'est parce que t'étudies pas assez. Et j'ai promis à ton professeur que ça allait changer. C'est vrai. Je vais étudier super fort, puis mes notes vont augmenter. Si c'est juste ça. Pour t'aider, on va réviser ensemble tous tes examens pour être sûr que tu maîtrises bien la matière. Oh non! Ah oui, et comme t'as un examen de géo bientôt, là, on n'a pas de temps à perdre, on va mettre les bouchées doubles. On commence demain soir. Oh! Oh. Ouais. Puis ça, je gage que c'est pas une tâche qui s'échange. Oh.